FM Logistic has been established in Russia since 1991, taking the opportunity offered by the opening of the Eastern European markets. The group quickly saw the remarkable growth potential for all its customers. Aujourd'hui, FM, c'est 8000 collaborateurs, c'est 500 000 m² en Russie et c'est plusieurs activités différentes comme le transport, le warehousing, les customs, le copacking et on travaille sur de nouveaux services. Le frais chez FM Logistique est stratégique. 27% du chiffre d'affaires du groupe est fait en retail. L'acquisition de ce nouveau secteur d'activité nous permet d'offrir une gamme de services complémentaires à l'ensemble de nos clients retail. This activity makes it possible to complete the range of services for distributors and to put forward a global offer, pooling fresh and ambient temperature flows. On n'est pas tout à fait sur les mêmes bases qu'en Europe. En Europe, la part de marché du frais est de l'ordre de 35-40%. Quand en Russie, elle est plus proche de 50%, voire des fois un peu plus dans certains magasins. Donc le frais est primordial pour le consommateur ici. Quand on a racheté l'entreprise, c'était environ 1000 collaborateurs. Quand je vous parle aujourd'hui, c'est 2500 collaborateurs. Donc on a doublé de taille en même temps. Ensemble, on a relevé les challenges et on était devenu juste une entreprise unique. C'est une vraie réussite. FM Fresh is a new expertise for the group. It's a different organization from that acquired in grocery retailing by FM Logistic a long time ago. L'activité frais a une particularité, l'intensité de ses opérations. C'est une activité beaucoup plus intense que celle du dry traditionnel à laquelle on est habitué chez FM. Vous êtes face à des durées de vie extrêmement réduites, ce qui fait qu'il y a un niveau de tension extrêmement important au moindre retard. On est sur des marchés à 25%. Dans 5 mois et demi, les volumes dans ce magasin seront 65% supérieurs à ce qu'on traite aujourd'hui. Donc il nous faut des partenaires qui soient capables de réagir par rapport à ces volumes. La deuxième attente, elle est être très proactif et réactif en termes d'innovation, en termes de technologie, en termes de véhicules. On travaille justement avec FM Logistique sur l'ultra frais pour accélérer les schémas entre la commande magasin et la livraison du magasin. Par cette acquisition, FM Logistique en Russie devient le leader de la logistique dans ce pays. La Russie, c'est un marché extraordinaire où tout est possible. On travaille sur un nouveau secteur d'activité pour 2015 qui est le secteur de la pharma. On travaille sur le cross-canal avec déjà des contacts pour développer l'activité e-commerce. En parallèle, on démarre le transport international en Russie. On va démarrer le multimodal. Et on a des projets au Kazakhstan, dans les anciennes républiques. Le potentiel reste extraordinaire et l'entreprise a encore la possibilité de doubler de taille dans les années à venir. The FM Fresh experience testifies to FM Logistics' ability and desire to support its customers wherever they are in the world.